Quand il était petit, ses parents l'appelaient affectueusement Wolferl plutôt que Wolfgang, comme ils le faisaient du reste en surnommant sa sœur Marianne Nannerl. Ils avaient aussi accolé à son premier prénom celui de son parrain, Gottlieb, c'est-à-dire aimé de Dieu. Après tous ces moments de bonheur vécus à Rome, Bologne, Florence ou Milan, il avait l'impression qu'il devait beaucoup à l'Italie. Et pour lui rendre hommage, il décida de transformer ce prénom de Gottlieb en une version plus latine, Amadeo ou Amade. Cela lui permettait, selon son humeur du moment et le lieu où il se trouvait, de signer indifféremment Wolfgang Gottlieb ou Wolfgang Amade, que certains transformaient parfois en Amadeus. Quand vint l'année de ses 17 ans, force était de constater que, malgré tous ses voyages, toutes ses rencontres, il n'avait obtenu aucun poste nulle part. Le retour à Salzbourg fut horrible. Après l'enchantement des moments vécus en Italie, loin de tout, et l'insouciance des voyages de jeunesse pendant lesquels son père gérait son quotidien, il lui fallait retrouver le carcan de sa ville natale. Pour son malheur et celui de son père, l'archevêque, qui les avait toujours encouragés, leur permettant de réaliser des voyages à travers l'Europe, venait de mourir. Un nouveau prince-archevêque, appelé Hieronymus von Colloredo, avait été élu à sa place et devenait ainsi leur nouvel employeur. Son seul nom lui donnait encore des frissons, 15 ans plus tard. Non seulement la ville de son enfance, étriquée et sans âme, lui semblait avoir perdu tous ses charmes, mais il lui fallait en plus supporter l'arrogance et le mépris de ce prince tyrannique qui ne voyait en ses musiciens que des subalternes, des domestiques corvéables à merci. Pour son prédécesseur, Wolfgang était une sorte d'ambassadeur de la principauté de Salzbourg. Avec Colloredo, il ne savait pas qui il était tout, et parfois rien. Il aurait tellement voulu être au moins quelque chose.